Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve pour vous faire, alors c'est vraiment un très très petit haul, mais voilà, je suis tombée sur une bonne affaire chez Nose hier, donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors hier j'étais chez Nose et je suis tombée sur un rayon qui contenait des cires parfumées. Alors que je vous explique, il y a quelque temps, j'ai vu sur la chaîne de Coralie Princesse Petit Cœur qu'elle présentait des cires qu'elle avait achetées chez Maquilalia, des cires de la marque Aromawax. Et je me suis dit que je voulais tester parce qu'apparemment elles avaient l'air de sentir bon d'après ce qu'elle disait. Et vu qu'elle avait refait quelques commandes sur ce produit, j'étais très tentée. Et hier, ben voilà, je suis tombée sur un bac rempli de ces petites cires qui se présentent comme ceci. Je peux vous dire que je suis partie direct dessus. J'ai demandé le prix à une vendeuse parce que le prix n'était pas encore affiché. Elles étaient à 75 centimes et il y avait plein de senteurs. Alors, en tout, j'en ai pris 2, 4, 6, j'en ai pris 8, mais il y en a 2 que je ne vais pas vous présenter parce que c'est pour offrir et la personne regarde donc les vidéos. Et j'ai pris alors les senteurs qui me tentaient bien. Et en tout, il restait, donc je dis, il restait, alors il y avait à la rose que je n'ai pas pris, à l'orchidée que j'ai pas pris, aux fruits rouges que je n'ai pas pris. Et il y en avait encore une quatrième, mais je ne sais plus ce que c'était comme senteur. Donc en tout, il y en avait 12. Ce qui est pas mal. Et je me suis dit, si j'avais su, ben, j'en aurais pris plus. Donc la semaine prochaine, comme je dois y retourner, s'il y en a encore, ben, j'essaierai d'en reprendre. Et donc là, moi, je me suis pris 3 senteurs parfumées, une fraîche et 2 un peu plus sucrées. Donc les 2 plus sucrées, c'est Grandmas Cookie, qui se présente donc comme ceci. Donc vous voyez, hein, c'est des cires, soit vous la mettez en entier, vous pouvez la couper en deux. Et franchement, ça sent très très bon. Ça sent le chocolat. C'est tout à fait des senteurs que j'aime bien quand il fait un peu froid. Je trouve que ça fait très cocooning. Ce sont des cires qui sont 100% végétales, made in Europe. Donc en fait, c'est écrit tout petit ici, 100% végétal. Et là, c'est made in Europe. Et ce sont des petits pots qui font. Je sais pas, c'est pas écrit dessus combien c'est la contenance. Vous avez le mode d'emploi derrière si vous souhaitez. Donc c'est vraiment pas mal. Et je sais que du coup la vendeuse se demandait ce que c'était. Elle m'a demandé. Alors je lui ai expliqué que c'était des cires parfumées qu'il fallait mettre dans un photophore. Voilà. Avec la bougie chauffe-plat dessous. Et puis voilà, vous faites chauffer. Ensuite, la deuxième que j'ai prise, c'est Vanilla Pudding. Donc voilà, comme ceci. Qui sent aussi super bon. J'adore, c'est. Ça sent la vanille, quoi. Moi, j'adore. J'adore la vanille. Ensuite, pour celle qui est un peu plus fraîche, c'est Honey Lemonade. Donc, miel et limonade. Et franchement, elle sent mais super bon. Elle sent le frais, fruité. On a même l'impression, comme ça sent bah, la citronnade, en fait. Ça sent super bon. J'adore. Ah, quand j'ai senti, j'ai dit, ah, d'office, hop. Je crois que de toute façon, c'est la première que j'ai prise. Et ensuite, pour les 3 fruités, j'ai pris la Sweet Cherry, qui sent aussi super bon la cerise. Et j'aime beaucoup, parce que ça sent le bonbon à la cerise, en fait. Je ne sais pas si vous voyez les bonbons. C'est quoi les petits bonbons? C'est les petits mousses, là, enveloppés dans des papiers blancs. Ceux à la cerise, ça sent tout à fait ça. Ça sent vraiment le bonbon à la cerise. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris Fraîche Peach. Alors, sur moi, tout ce qui est pêche, j'adore. Et là aussi, quand on ouvre, ça sent tout de suite la pêche. C'est léger, mais on reconnaît bien l'odeur de la pêche. Et pour la dernière, j'ai pris Sweet Melon. Alors, celle-ci, j'adore. Dès que je l'ai sentie, c'est vraiment le melon qui arrive là et ça sent super bon. Ça me rappelle les bougies. Alors c'est Kringle's Candle.
J'avais acheté, ils avaient une bougie au melon, bah, qui malheureusement ils ont arrêté. Pourtant, elle était vraiment super et c'est exactement la même odeur. C'est. Ah non, ça sent super bon. Mais vraiment très, 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 très bon. Alors, je ne sais pas si vous avez, vous, dans vos nozes, peut-être que ce n'est pas encore arrivé ou peut-être que vous allez les avoir. Hein. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de décalage selon chemin. Chemin, pouf! Excusez-moi, je suis un peu fatiguée là. Selon les magasins, voilà, c'est mieux, c'est français au moins. Donc, peut-être que vous allez avoir un arrivage d'ici là. Enfin, voilà. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est si la semaine prochaine, il y en a encore, je sais que je reprendrai. Parce que franchement, j'avoue que j'aurais dû en prendre plus. Moi, les bougies, j'adore ça. Et ça aussi, et les senteurs sont pas mal. Et je prendrai peut-être les autres fruits rouges ou autres, parce que c'est pas que j'aime pas, mais j'en avais encore. Déjà encore à brûler dans d'autres marques, mais bon, j'en prendrai peut-être. Et puis à la limite, si je retrouve ça aussi et celle-ci, j'en prendrai d'abord. Ce n'est pas des senteurs qu'on trouve facilement ou qu'on trouve vraiment dans d'autres marques. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit mini haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque, si vous les avez testées ou si vous avez la chance de les trouver dans vos nozes. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.